Yo les gars, c'est Silver, j'espère que vous allez bien, on est avec Laura aujourd'hui les gars pour un nouvel épisode de The Quarry. Les gars, c'est l'épisode 11 déjà, je pense pas que c'est sur le point de se terminer. Les gars, ça a pas l'air, on est en plein dans l'histoire, mais c'est vraiment cool, c'est pas pour nous déplaire. La dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? Rapide résumé les gars, Laura s'est fait crever son œil, comme on a vu, parce qu'on, bien sûr, quand elle a toqué au vestiaire, on a vu qu'elle avait un œil crevé. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était Max, hein. On avait bien raison, Max est un loup-garou. Donc c'est des loups-garous qui nous cassent les couilles depuis le début, qui massacrent les gens. Et aussi, on s'est rendu compte, et on a eu la confirmation que les loups-garous, en fait, se transformaient aussi en humains, hein, les gars, se retransformaient en humains et reprenaient leur apparence normale, les gars. En attendant, les gars, installez-vous confortablement, prenez à manger à boire, des écouteurs ou un casque, mettez-vous dans le noir et on est parti pour ce nouvel épisode, je veux dire. Allez, let's go! Bon, qu'est-ce qu'on a là? Putain, ah, c'est juste pour s'asseoir, d'accord, je ne veux pas m'asseoir, frérot. Allez dormir, continue à chercher. Faut carrément aller dormir. On a l'œil crevé, les gars, hein. Le flic nous a laissé dans la merde. Il y a Max qui est en train de grogner à côté, là. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ok. Ah, est-ce qu'on avait lu les inscriptions la dernière fois? Je crois pas, hein. Rayure Murales, tandis que la ville de Norskill s'endort, les... Ah non, non, on avait lu. Faites pause si vous avez pas lu, les gars. Max, il est dangereux, là. Il m'a crevé l'œil. Okay, on peut aller par là. Et là, il y a Max. On peut le voir. Ah, oh, putain! Oh! Wesh, je me casse! Et le flic, en fait, il nous a attachés avec les menottes et... Il nous a laissé. Normal. C'est un malade, lui. Attends. Ah ouais, on est carrément allé là. Oh là là, c'est galère. Attends. Parce qu'il y a peut-être moyen qu'on trouve une petite carte, là, quelque part. Qu'on pourra rapporter à la voyante. Ah, mais les gars, la voyante, ce serait pas la folle, comme ils l'appellent, hein, de Hackett's Quarry. C'est possible, hein. Ok... Ok, je vais d'abord aller là. Ah non, mais... Non, c'est de là où je viens. Ok, là, j'ai fouillé, donc... Donc, c'est là. Allez, une petite carte, ce serait sympa. C'est quoi, c'est la sortie? Je crois que c'est la sortie, les gars. Attends, je vais là. Qu'est-ce qu'il cache? Les gars, je veux savoir le secret de tout ce qui se passe ici. Hein. Ça se trouve, il y a des expériences et tout. On sait pas. Hein. Je veux savoir tous les secrets. De toute façon, on va avoir une révélation au fur et à mesure. Il fait peur, le Max, hein, à crier comme ça. Ouais. Bonsoir. Ah, il y a un truc. Allô? Je me demande ce que c'est ce fantôme là. On l'entend depuis le début, hein. Hein? Merde. Ça, pour un indice, c'est un sacré indice. Et merde. Oh, merde. Faut peut-être... Va falloir que je me repose. Ouais, mais pas tout de suite. Attends, continue à chercher. Faut peut-être trouver son... Son anniversaire, il y a peut-être marqué quelque part, hein, les gars.
Oh, tous ceux qui ont disparu. Anne Radcliffe et Edward Benson. Qui ça peut être? Ok. Il y a quelque chose dans cette pièce. Ah non, ça c'est pour sortir. Je veux pas sortir. On est dehors là? Non, on n'est pas encore dehors. Ah non, on est retourné dans le truc. Ok. Donc là, c'est bon. Ah, peut-être qu'on va trouver sa date de naissance. Qu'est-ce que tu caches, Travis? Même pas. Lettre de mise en demeure. Quoi? Travis, c'est le flic? Lettre demandant aux animateurs du podcast Enquête Paranormale d'arrêter leur recherche sur Hackett Squarry. Ah merde! Ah ouais, il rigole pas le flic, hein. Il a vraiment quelque chose à cacher. Hein. Oh là là, ça fait flipper. Hop! Là, il y a peut-être. Non, c'est fermé. D'accord. Est-ce qu'il y a un truc ici? C'est fermé. On va essayer de monter à l'étage. J'ai vu qu'il y avait des escaliers. Ouais. Oh, ça fait flipper. Ça fait flipper de ouf. Hein. Ah, on peut monter. On va certainement trouver quelque chose. Bonsoir. Je peux aller là? Ouais. Je suis sûr qu'on va trouver sa date de naissance, les gars. C'est sûr. C'est quoi? Oh! Du coup. 56. Ça veut dire qu'il est né en 1965. Ok. Je dois m'allonger. Ouais, tu dois t'allonger, mais d'abord. Tu trouves sa date de naissance, nous on va en savoir plus. Attends, peut-être il y a un truc derrière, j'ai peut-être loupé une carte. Non, on peut pas y aller. On va se prendre un screamer. Hein. On va se faire choper. Ok. Là on peut pas. Et là on peut. C'est sûr qu'on va trouver les gars. On va pouvoir fouiller dans l'ordinateur. Ok, c'est quoi ça? Ah! Il m'a piqué avec ça, l'enfoiré! Vous vous rappelez au début? Ça doit être avec ça qui m'a endormi. Je la cacherai dans ma cellule. Ah mais bon, s'il n'y a pas de produit dedans... c'est un peu la merde, hein. Non, il n'y a rien. Ah! C'est quoi? Oh, let's go! Le 7 juillet? Let's go, les gars. On peut aller fouiller. Les gars, au moment, je prédis, au moment où on va aller fouiller, on va se faire interrompre, les gars. Vous pouvez en être sûr. Hein. Vous pouvez en être sûr et certain qu'au moment où on va aller sur ce putain d'ordinateur et qu'on va essayer de chercher des renseignements, il va arriver, il va nous faire une clé de bras, Kakatogiri dans la gueule. Double front kick. Et on est dans l'eau, hein, pour ceux qui ont la ref. Allez. Vite, 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 dépêche-toi. Oh putain, c'est quoi? C'est un putain de corbeau de merde. Il m'a fait peur. Dépêche-toi, dépêche-toi d'aller fouiller. Dans cet ordinateur. Let's go. On connaît la date, et moi je bois un petit coup en même temps. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une vidéo? Et tous des randonneurs.
mais des chasseurs de fantômes en quête de réponses qui se sont retrouvés à la merci de la folle de Hackett Squarry. Et ils ne sont jamais revenus. Comme nous. Et sauf la partie où ils étaient à la merci de trucs, machin chose. On est plus des inspecteurs de fantômes. Des limiers spectraux? Si tu veux. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'après les infos du journal local, le Norskill Gazette, des bottes de foin auraient pris feu pendant la soirée d'ouverture. Et les flammes se seraient propagées. En quelques instants, tout est parti en fumée. Y compris la femme qui menait le spectacle et son soi-disant petit bébé. Oh! Santé, santé de ouf. Ah putain! Ça m'a fait peur là. J'ai eu un trophée. Enquête paranormale. J'ai fait ce que je pouvais. J'en peux plus. Il faut que je dorme. Ok, go dormir, go dormir. Ça va, bon, on n'en sait pas beaucoup, beaucoup plus, hein. Ça va pas à grand chose de chercher sa date d'anniversaire. Faut qu'on aille dormir. Mais là, on peut pas s'échapper, là. Je sais pas, par une fenêtre ou quoi. Même pas. Putain, il y a l'autre qui va crier, là. Il est encore là, lui? Ouais, il est encore là. Vas-y, ferme cette cellule. Allez dormir. Tu vas me dire ce qui s'est passé? Je peux vous retourner la question. Pourquoi pas fuir? Je ne laisserai pas Max. On en a pas terminé. Je laisserai pas Max. Je laisserai pas Max. Je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. Je veux juste l'aider. Tourne-toi les mains contre le mur. Sérieusement? Je suis trop crevé pour me battre. Mais... Moi aussi. Il va trouver la piqûre. Tiens, je vois que t'as pris tes aises. C'est avec ça que vous m'avez endormi, pas vrai? C'est très dangereux. Vous auriez pas pu en injecter à Max hier soir? J'aurais peut-être pas perdu un œil. Si. Si, mais c'est extrêmement pénible à faire. Il est quand même bizarre, les gars. Je le trouve quand même chelou. Hein. Genre, en fait, on dirait qu'il veut pas qu'on raconte aux autres le secret. C'est quoi? C'est éducatif. Regarde. Ça fait 29 jours à l'être dedans. Tu l'as bien nettoyé. Ton œil, je veux dire. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il n'y a personne pour nous aider. C'est toi le docteur? Pour les... Les animaux, et... Et non. En fait, je le serai sans doute même jamais. On est coincé là pour toujours. Parfois... On pense savoir... Sans vraiment savoir. Tu me suis?
Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Il va falloir être un peu plus précis. Il est pas méchant. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je suis. Oh, Zebi, sérieux? Ma famille. On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends? Pas vraiment. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec votre famille? Finissons-en. Qu'est-ce qui se passe avec votre famille? Qu'est-ce qui se passe au juste avec votre famille? Ma famille... est coincée au fond d'appui. Quoi? Mais what? La famille est la chose la plus importante qui soit. Mais si toute ta famille... Enfin, disons... Chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'appui et que... Tout le monde s'accroche à une corde. Comment une seule personne pourrait tous les remonter? Ah non! Si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Et c'est tout le problème. Alors c'est vous qui... êtes à l'extérieur du... puits avec la corde et... Oui. Ça me semblait évident. Ouais, ok, ouais, j'ai compris. Laisse tomber. Mais on n'en sait pas plus, les gars. Vas-y, Vas-y, À boule, à boule! On va voir si t'es vraiment futé. Ah, ça c'est... Tu me connais mal, frérot, hein. Attends, viens, donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire? Lis-le. Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originelle. Quand le disque brille au firmament, auxire la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Les gars, j'ai compris. Bon, je pense que tout le monde a compris. Vous vous rappelez, dans deux ou trois épisodes précédents, quand Nick est tombé dans l'eau, j'ai dit... Bon, ça se voyait que les loups-garous, en fait, craignent l'eau. Et, en fait, il faut tuer la bête originelle, donc la première bête, qui, on ne sait pas où elle se trouve, avec... une arme en argent, les gars. Donc ça, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Bien. Continue. Prendre l'arme? Non, 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 non. Non, non, je... On le laisse. Et si morsure vous subissez, d'amputer, il faut vous presser. Pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Tu commences à voir l'idée? C'est léger niveau info. Et franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer? J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire.
Confuse, pourquoi ne pas l'avoir tué? Inquiète, je suis infecté. Ah ouais, c'est vrai, je suis infecté ou pas? Mais si Max m'a blessé à l'œil, est-ce que ça veut dire que je suis infectée aussi? Non. Pas par les griffures. Faut être mordu. Est-ce que vous en êtes sûr? A priori. Cynique, je ne vous crois pas encourageante. Bon, quel est le plan? Ouais, quel est le plan là? Alors, c'est quoi le plan? Ben, c'est là que je compte sur toi. Moi? Ouais. Avec tes études. Je les ai même pas commencées. Ouais, mais t'es ma meilleure chance. Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve, il y a un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon. Les gars, le loup blanc, c'est Écoute, Monsieur Hackett, c'est sûr. Prends le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. Convaincu? Bon, on en sait un peu J'aurais pas plus. cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas. Si j'avais pas vu ça. Les gars, on en sait un petit peu plus. Franchement, là, ça commence à prendre une tournure où vraiment. On sait plus de choses. Donc, Laura, là, c'est un flashback où elle est en train encore de rencontrer, j'allais dire. De raconter à Ryan. Putain, j'arrive plus à parler, les gars. Elle est encore en train de raconter à Ryan, Kathleen et Dylan ce qui s'est passé. Résigné, je le crois. Je le crois, je le crois, je le crois de ouf. Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Bon. Qu'il crève. Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Laura? Ouais. J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton œil. C'est grave? Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. Empathique, ce n'était pas toi, tu ne contrôlais rien. Empathique. C'était pas toi. Je sais que c'était pas toi. Je sais. Mais quand même. On va te soigner, Max. Promis. Je te le promets. Oh là 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 là. Quoi? Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs qui sont pas au camp. Ah, c'est Chris. Il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Pourquoi? À ton avis, Chris. Mon Dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu un, Chris. Qu'est-ce que tu voulais que je... Oh!
C'était quoi? Oh putain! QTE! Oh là là! Les gars! Tu m'as tiré dessus! Maman va couper. T'as eu de la chance que ce soit pas de l'argent! C'est quoi le plan? Tu peux pas les garder comme ça! Je vais m'en occuper. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle! Tu penses à ça? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Leur bonheur et cette fouine de journaliste. Bordel, Travis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Fais chier. Viens dans mon bureau. On sera tranquille. Oh, c'est terrible. Max! C'est terrible. Max! Qu'est-ce qu'il y a? Travis était dans le couloir à parler, le flic. Et? Avec Chris Hackett. Il est venu nous faire sortir? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le... C'est soucis. Abusé, les gars. Putain de merde, c'est... C'est pas possible. En même temps, quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose? Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis et tuer Chris Hackett. Oh, terrible! Putain, les gars, c'est abusé ce qui se passe. C'est un délire. Hey, à l'aide! Laura se sent mal! Laura? Laura, tu vas bien? Non, de Dieu. C'est quoi ce bordel? Laura! Mon Dieu, let's go! Oh putain! Eh, t'es ouf toi! Tu me connais mal! Eh, des années de Call of! Qu'est-ce que tu crois, mec ton? Donnez les clés. C'est pas une bonne idée. Je lui mets un turn across the map 360 degrés sur sa face, gros. Headshot, exigeante, la ferme. Désolé, je regrette, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Désolé, j'ai pas le choix. On peut discuter. C'est trop tard pour ça. Les clés. Oh. Ok. D'accord. Merde. Hop là. Incroyable ça, let's go. On a assuré hein. Bon, let's go tuer Chris Hackett. Je t'en aurais pas cru capable. Bien sûr que si. Viens, allez. Laura, pense à ce que t'es en train de faire. On fait moins le fier. Si vous preniez le temps de réfléchir un peu. S'excuser. Je m'excuse pas, je m'excuse pas, t'es en ouf. Laisse tomber. Faut qu'on se tire. Non, non, il savait que Chris... Chris était un loup-garou, il nous a pas dit. Il veut protéger son frère.
sont nos affaires? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre quelqu'un. Il est là. Oui, si, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. Mais wesh. Ah, oh, putain, on les entend tous. On l'entend les... On entend les voix tous les deux. Vas-y, ouvre. Il n'y a personne ici. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait, il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Donc les gars, Chris, c'est pas le loup originel, hein, je crois. Hein. C'est pas le loup blanc. Hein. Je viens de me rendre compte. On est libre. Angoissé, pas tant que Chris vivra. Rassurant, putain, enfin. Pas tant que Chris vivra. Ah mais est-ce que Chris c'est le loup blanc? Je sais pas. On va être rassurant, on va penser positif. Putain, enfin. On a perdu 2 mois de nos vies, mais déjà, on est un peu plus près de rentrer chez nous. Et c'est pour quand? Ce soir. On va à Kate's Quarry et on tue Chris à Kate. C'est abusé. C'est abusé, mais par contre, Max, frérot, si tu te transformes en loup-garou, mais je crois que c'est qu'une fois dans le mois. Au camp, j'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Attends. L'île, genre notre île à nous? Tu veux dire l'île du lac? Ouais, pourquoi? Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il est pas encore revenu et elle non plus. Oh merde. Honnête, ils ne sont plus là, rassurante, ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait aller. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est... le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Quand vous m'avez vu à la piscine, après que j'ai tué... Chris... Ah bah Chris, il est mort! Je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais... Oh, quoi? En fait, c'était Chris Hackett dans la piscine, les gars. What the fuck? Oh, les gars, il y a trop d'infos, là. Île de Hackett's Quarry. Laura, 23h30, 22 août. Donc, on va voir ce qui s'est passé. Max n'est toujours pas redevenu humain. Mais encore, tu me diras, c'est encore la pleine lune, donc c'est normal. Take
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Merci, droit d'auteur. Hein. Copyright, je suis dans la merde. Max! Léo! Ne! Oh, bordel! Ouh, quoi? Il va pas nous suivre. Cavale. Wow. On dirait pas trop un loup-garou, les gars. On dirait plus une goule. Donc, vestiaire. Le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris. C'était pas un loup-garou, c'était Kaylee Hackett, la fille de Chris. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends, pourquoi Max t'a pas tué alors? Montrer la morsure, cacher la morsure. Non. Oh les gars, je sais pas quoi faire. Il m'a mordu en fait. J'ai deux solutions. Soit je la montre et il y a plein de gens qui sont sauvés parce qu'ils vont faire quelque chose. Soit je la montre pas et en fait ça va mon choix va se répercuter sur quelqu'un. Ah, je sais pas. Vas-y, je la montre. J'ai pu lui échapper. Il faut que j'en finisse. C'était sûr, je le savais. Il nous reste peu de temps. Je le savais. Je vous avais dit, les gars. Ouais, c'est qui ça? Oh, bonsoir, bonsoir. Petit dernier. Ça sent bon, hein? Vas-y, mange un bout. Allez. Abruti d'animal. Bon. C'est où ça? Oh, merde, lâche-moi! Lâchez-moi, putain, laissez-moi partir! Ah Suppliant de pitié, relâchez-moi, je vais appeler les flics. Relâchez-moi! Laissez-moi partir, ok? C'est pas de ma faute, c'est parti en couille! Je vous en supplie! Mais pourquoi vous dites rien, putain? Oh, oh, oh! Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez? Hein? Parce que mon père, il en a un tas de fric. Enfin, pas vraiment, mais il en trouvera. Enfin, j'espère. Pitié! Laissez-moi partir, pitié! Je suis tellement désolé! Oh, putain de merde! Et de deux, Bobby! Hé! Hé! Hé, vous allez où? Hé!
Donc Jacob s'est fait mordre, je me rappelais pas les gars. Je me rappelais pas. Ça c'est Nick, non? Ouah, c'est abusé. C'est abusé les gars. Il y a eu beaucoup de révélations dans cet épisode hein, quand même. Hein. Ah, notre rendez-vous vous quotidien. Vous fouinez, je vois. Vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Bref, nous y revoilà. Voyons ce que vous m'avez apporté, d'accord? J'ai rien. Rien à montrer, rien à voir, c'est aussi simple que ça. Trouvez les cartes où vous devrez avancer à l'aveugle, à vous de voir. Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravie d'avance, tant que vous suivrez la bonne voie, bien sûr. Oh là 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 là! Ok, ok, ok. Chapitre 8, le ventre de la bête. Qu'on continuera dans le prochain épisode, les gars. On avance, petit à petit, les gars. Mais en tout cas, c'est pas pour me déplaire, je kiffe, franchement. Donc là, on est Ryan, on doit confronter Laura, qu'on fera dans le prochain épisode, les gars. J'espère que vous avez kiffé. On a eu beaucoup de révélations dans cet épisode. Et franchement, on en apprend de plus en plus. On sait toujours pas qui est le loup blanc. Les gars, le loup originel, mais je pense que ça doit être une créature affreuse, hein, mais vraiment abusée, hein, abusée forte et tout, vraiment compliquée à tuer. Et si ça se trouve, les gars, si ça se trouve, quand Travis Hackett, il a dit « Ouais, je suis autant dans la merde que vous l'êtes », si ça se trouve, c'est lui. Si ça se trouve, c'est lui, le loup blanc, les gars, le loup originel. On sait pas, hein, on ne sait pas, les gars. Je pense qu'on va encore être surpris, c'est sûr et certain. Ou alors, c'est le vieux. Le vieux chasseur, là. C'est possible, hein. Attention, hein. On verra bien. Les gars, en attendant le prochain épisode, portez-vous bien. C'était Silver, activez la cloche. Comme d'habitude, partagez, likez. Et on se donne rendez-vous. Rendez-vous, j'ai dit. Hein. On se donne rendez-vous très vite, les gars. Ciao, ciao.